Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, enfin, j'ai eu la chance de trouver des morets en forêt. Ça fait quelques années que je m'intéresse à la mycologie. Ça fait déjà au moins 2-3 ans que j'en cherche beaucoup et j'ai jamais eu la chance d'en trouver. Aujourd'hui, début de balade en forêt. Après 2 minutes, j'en découvre un par terre. J'étais vraiment content. Et je me retourne et sous l'arbre, j'en ai vu un bon paquet. Comme celui-là d'ailleurs, là, qui a un très beau format. Super belle morée. Bon, hein, on sait tous que c'est un champignon qui est très prisé par les amateurs. Et puis, donc, pour ma part, c'est la première fois que je fais une petite cueillette. Et puis, ce soir, ça va être la première fois que je vais en manger aussi. Donc, je vais y aller avec une recette assez basique, simplement sauter à la poêle dans du beurre à l'ail, un peu d'ail haché, voir qu'est-ce que ça donne, pour essayer de garder le maximum de goût du champignon en tant que tel, pour garder le goût au maximum. Donc voilà, plusieurs belles morées, vraiment très 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 belles. La forêt que j'ai en arrière, c'est une forêt assez mixte. Je les ai trouvées en dessous d'un frêne et il y avait beaucoup de sapins aux alentours. Un sol relativement très humide. Donc ouais, je suis très content. Ma première cueillette de morée, enfin, c'est pas toujours facile à trouver, hein. On le sait, on en cherche et puis je regarde ce magnifique champignon. De toute beauté. Donc, ça va être un vrai délice ce soir au souper. Donc, voilà les premières morilles. Voilà de belles morilles. Génial. Enfin. L'image est morte. Donc après un léger rinçage à l'eau, on va se maintenant à frire dans du bon beurre à l'ail. Des bonnes morilles fraîchement cueillies. Kaden est impatient de goûter à ça. Et voilà. Ça sent bien. Là, c'est l'heure de la dégustation des morilles fraîchement récoltées ici en forêt il y a à peine 2-3 heures. Donc, on y va pour une première. Excellent, j'adore. Simplement cuit très basique, frit à la poêle avec un peu de beurre à l'ail. C'est exquis, c'est encore mieux que ce que je m'attendais. Écoutez, Marlou? Non, il n'est pas assez courageuse. Donc voilà, belle morée cuite. Merci, Mère Nature.